ready to learn, okay? So some who's gonna take, I think we got a little distracted at the end because Jesse has now, well, I think we got braces, right? No, I've had braces. She lost the ability, so who's gonna take her place? All right, Madam Wassa. All right, so we'll start over where I go, ha, 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 and then we'll have two people finish those up, and then we'll be quiet when we're here, ready to learn. See how it is. Merci. Okay, class. That didn't work so well, so we're going to try one more time. So, the idea is that we sing, and we're ready to go. If we can't sing and be ready to go, we'll have to do something else. Ha, 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 ha! Okay, class, bonjour. Hey, class, regardez, merci, s'il vous plaît, en silence, le calendrier. Le calendrier numéro 1. Okay, class, cette semaine, il y a 3 jours et demi ou 5? 5. Class, cette semaine, il y a 3 jours et demi ou 5 jours? 5 jours. Ouais, class, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jours. Et classe, aujourd'hui est spécial. Et Jessica! Demain! Thank you! Happy birthday, Jessica! Thanks. All of you! Yeah. Happy birthday, Jessica! Is it Jessica, it's your birthday? Other Jessica! Other Jessica? It's your birthday! Jessica! I've talked to you multiple times today. Wait, what? Sorry, I'm not laughing. Wait, so it's both of their birthdays? 5, 4, 3, 2, 1! 0. Oscar, I want you to wait for me and give me the sick. Oh, okay. That's really only after an authorized talking break. Okay. Was it unauthorized talking break? Okay. Hey, class! Aujourd'hui est l'anniversaire de Jessica. Applaudissez-la! Woo! Dites à Jessica bon anniversaire. 1, 2, 3. Bon anniversaire, Jessica. OK, class. On va. Hey, Jessica. Tu as 13 ou 14 ans? 14 ans. Oh, class, 14 ans. Oh, ça, c'est fantastique. I am 14. Hey, class, applaudissez Jessica 14 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hey, class, quel âge? 14. Quel âge a Jessica? 13 ou 14? 14. 14. Oh. Hey, class, regardez. Aujourd'hui est l'anniversaire de Jessica. Bon anniversaire. Et demain est l'anniversaire de Lola, class. Applaudissez-la! Hey, Lola! Tu veux des bonbons? Yeah. What I ask her? Do you want candy? Ouais, mais aujourd'hui n'est pas ton anniversaire! Demain, tu veux des bonbons? Bon anniversaire! Demain! Hey, class, class, dites à Lola, ça va, are we not doing like the dress up thing? No, that's it. Oscar, I never got to dress up. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
des bonbons pour Jessica ou pour Lola? Lola. 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 Jessica, Jessica, de, or Jessica, aujourd'hui. Lola, Lola, demain, demain, demain. Hey, Lola, ton anniversaire est aujourd'hui ou demain? Oh, Lola. Lola pense que tous les jours sont son anniversaire. Lola, tu es très créatrice. Parce, regardez. Créatrice. Tu es créatrice. Classe, créatrice en anglais. Creator. Et classe, regardez. Créateur. Créateur en anglais. Creator. Et classe, Lola est une fille ou un garçon? Fille. Une fille, ouais. Son. Ça, c'est la fille et ça, c'est le garçon. Ok, classe. On va lire. What are we going to do? We're going to read. No. Why? I don't know how to read. On va lire. Okay. On va lire. N'est-ce pas? Ouais. Okay. La... Non. J'ai écrit. La classe va lire. Okay? Classe, on va écrire, oui ou non? Non. On va lire? Ouais. Ouais. OK. La géographie de la France. Entière. OK. Pas juste la France métropolitaine. OK. La France entière. La géographie de la France entière. Quand nous pensons à la France, il est normal de penser à la France métropolitaine, l'hexagone. Hey, classe, un hexagone, 1, 2, 3, 4, 5, n'est-ce pas? Oui. La France métropolitaine. A, an hexagon. Turn it to somebody near you what you just learned about France. That's a Hey, class! Oscar, count fast. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey, class, regardez. Un hexagone est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? 6. Oh, classe, je suis nulle en mathématiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est un hexagone. Turns out so many engineers that France is actually a hexagon, not a pentagon. Okay, Oscar, Oscar! 5, 4, 3, 2, 1, 0! I am class. Oh, class, 7 minutes! Turn and tell somebody near you that if you get quiet quicker and he doesn't get to zero, I will take off minutes, so tell him to get quieter quicker now. Get quiet now. Okay, Oscar, go. 5, 4, 3, Oscar, two. Oscar, slow down, go 5, 4, 3, shh, two, shh. So slow yourself. Eric, no, Eric, no, just go like this. 5, 4, 3, shh, two, shh, and that'll slow down. But Eric's the shh guy. Oh. Eric. Maybe you should just do it by yourself. What are the shoes? Okay. 5, 4, 3. Oh, class. 2.
5, 4, et vous étiez silencieux, ok? Alors, ça va. Ok, classe, on va lire la géographie de la France entière. Quand nous pensons à la France, il est normal de penser à la France métropolitaine. L'hexagone. Will you turn into translate that to your partner? Just go ahead and translate what I just read. L'hexagone en Europe. Mais. Ceci, merci. La France contient aussi 17 départements et territoires d'outre-mer. La plus grande est la Polynésie française. We're going to translate this together. Let's see if you can do it. Ready, set, go. The geography of the France entire. Oh wait, how would we say that? The entire geography of France. I would say maybe even, we wouldn't even say that. We say all of France, right? All right, let's start over. We'll say that entire means all of the France. All of. Like, the entire France, that sounds weird. So we'd probably say all of France, right? All right, one, two, three, go. The geography of all of France. When we think of France, it is normal to think about metropolitan France, the hexagon. Why is it called a hexagon? Because it has six heptagons. Approximately, it has six. One, two, three, go. In Europe. But France contains also 17 departments and territories overseas. The biggest one is French Polynesia. All right, so I want to show you this. What does this mean? La plus, what's that part? The most big, right? So it can be more big or most big, but here it means most. So the most big is French Polynesia. The most big. Students, I wrote you a book. Yay. Oh, I'm about to read it to you. No. Turn and tell someone near you that this book is going to teach you the important things concerning French geography. Tell them now. I mean, not that hot chocolate in my hair part. It does seem more fun. Usually because in the back there's more shenanigans and tomfoolery going on. No, dear, I want you right by me so I can keep an eye on you because you're new. What about me? I want you in the front too, dear. The front. This is where the action is. This is where it's at. It's targeted.
Yes. I'm a teacher, not an entertainer. All right, Oscar, go. 5. I love this, 4, Oscar. You're doing great. 3. Shh. 2. Shh. 1. Shh. 0. Okay, merci, Oscar. Okay, class. Une personne dans la classe avait une question. La question était, quelle est la taille de la France, okay? Class, la taille de la France, okay? Et, class, regardez, ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, États-Unis d'Amérique, okay? Et ça, c'est la France. Et class, regardez, ça, c'est la France métropolitaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 côtés, ok, hexagone. Et ce sont, ok, ça c'est la Corse. Et ce sont les départements d'outre-mer, ok. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, la Marotte et la Réunion, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 départements et une France métropolitaine. L'hexagone. Hey class, regardez. Ok, les États-Unis. Et ça, c'est Oregon, n'est-ce pas? Et ça, c'est Californie. Et ça, c'est la France. Class, regardez. Whoa. Ok. La taille. La taille de la France est à peu près celle de Oregon et Washington et des parties de Idaho. N'est-ce pas? Turn to somebody and tell them what is the size or la taille de France. It really is. Texas is the biggest state, and look how much bigger. Well, let's see. Oh, my. Oh, La France and come to Texas. La taille de France. La taille de Texas. Five, four, three, two, one, zero. Okay, class, j'ai écrit un livre. Les choses importantes en ce qui concerne la géographie de la France. Hey, class, ça c'est la France métropolitaine ou les départements d'outre-mer? Ça? Class, ça? Class, regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'hexagone. Ça, c'est la France métropolitaine ou les départements d'outre-mer? La France métropolitaine. Super. OK, ça, c'est la France métropolitaine. OK, les choses importantes en ce qui concerne la géographie de la France entière. Oh, dédié à ma classe de français 2, 2017-2018. Vous êtes formidable. Vous êtes rigolo. Vous êtes fantastique. Je vous aime. Je vous adore. OK. La chose importante en ce qui concerne la géographie de la France est que la France métropolitaine contient 80, 95 départements.
La chose importante en ce qui concerne la géographie française ou la géographie de la France est que la France métropolitaine est appelée aussi l'hexagone à cause de sa forme d'hexagone. Hey class, combien de côtés a un hexagone? 5 ou 6? 6. Est-ce que je suis forte en mathématiques ou nulle en mathématiques? Nulle. Ouais, je suis nulle. Terrible. La chose importante en ce qui concerne la géographie de la France est que la France contient 4 départements d'outre-mer. However, upon further investigation, I learned that there are now 5 because Mayotte is not on that list because it was only just added in 2011. Class, la France contient 4 ou 5 départements? 5. Il contenait 4 départements. Il contient aujourd'hui 2017, 1, 2, 3, 4. La chose importante en ce qui concerne la géographie de la France est que les départements d'outre-mer étaient des colonies françaises. Hey class, Oregon était une colonie française ou anglaise? Anglaise. Ouais. Hey class, le Québec au Canada était une colonie française ou anglaise? Française. Ouais. Et classe, les départements d'outre-mer étaient des colonies françaises ou anglaises? Anglaises. Française. Oh, ouais, super. La chose importante en ce qui concerne la géographie de la France est qu'il y a beaucoup de pays où l'on parle français. Mais tous les pays francophones ne font pas partie de la France. 274 millions de personnes parlent français dans le monde. Turn to somebody what you just learned about the countries that speak French. They have now, de la France et que la France a des territoires australes et antarctiques. Ça c'est l'Antarctique, ok? Amérique du Sud, Afrique, Australie, ok? Océan, ça c'est l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan, et classe, comment ça s'appelle? Oh, Indien. Et ça, c'est l'Antarctique, ok? Et il y a de la territoire française là, sur l'Antarctique. Et aussi, 1, 2, 3, 4 îles, petites îles, ok? Australes, comme Australie, ok? Australes. La chose importante en ce qui concerne la géographie de la France est qu'il y a seulement 140 habitants des territoires australes,
et Antarctique. Hey, class, il y a beaucoup de personnes ou peu de personnes? Class, 140 personnes. 140 habitants. Ça, c'est beaucoup ou peu? Ouais, c'est très peu. Essentiellement, des membres de missions scientifiques. Hey, class, les personnes sont les personnes normales ou scientifiques? Ouais, ce sont des scientifiques. La chose importante en ce qui concerne la géographie de la France est qu'il y a d'environ 76 millions d'habitants, dont 64 millions 859 mille 589 dans la métropole. Ça, c'est la métropole. La France métropolitaine. OK? Et 2 131 277 dans les départements d'outre-mer. Turn to your partner. How many people live in la métropole? And how many people live in the département d'outre-mer? L'hexagone. Et il y a 64 habitants là. Et d'outre-mer, dans les départements, il y a 2 millions. Okay? À peu près. 2 millions. À peu près 64 millions. Et classe, quelle ville est-ce? Quelle ville est-ce? Ça, c'est Paris! Ouais. Paris est grande! Ça, c'est la population de la France, OK? Et il y a beaucoup de personnes à Paris. Et beaucoup de personnes ici. Beaucoup de personnes à Paris. Une grande population. Et beaucoup de personnes ici, à Marseille, Avignon, Nice, OK? Il y a une grande population là et là. Et là. La chose importante en ce qui concerne la géographie de la France est que la capitale est la ville de Paris avec une population de 241 346 d'habitants. L'unité urbaine de Paris, OK classe, il y a Paris, OK, il y a Paris, la ville, le centre, et il y a aussi l'unité urbaine, OK? Paris est l'unité urbaine. Okay?
L'unité urbaine de Paris est la région la plus peuplée d'Europe. Deux ou 10 millions, 10 millions, 600. I'm really bad with numbers. Let's see. Okay. 50. Okay. 10 millions, 659,489 d'habitants. Phew. L'unité urbaine de Portland, par contraste, est 2 millions à peu près. Place 10 millions à Paris et 2 millions à Portland. La chose importante en ce qui concerne la géographie de la France est qu'il y a 5 principaux fleuves et 6 principales chaînes de montagnes. Ok, les Alpes et classe. Vous connaissez les Alpes? Yes. Les Alpes sont petites ou grandes? Grandes. Est-ce qu'il y a une personne qui a déjà visité les Alpes? Est-ce que tu as visité les Alpes? Tu as vu les Alpes. Est-ce que tu as visité les Alpes? Est-ce que tu as fait du ski? Tu as fait du ski dans les Alpes? Wow, classe! Oscar a visité les Alpes et Oscar a fait du ski dans les Alpes. Hey Oscar, est-ce que le ski en Oregon est meilleur ou pire que le ski aux Alpes? Pire. Yes. Oh. Oscar dit que le ski aux Alpes est fantastique et le ski en Oregon est pire. Oh, Jay, tu as visité les Alpes? Yeah, I lived in Germany. Oh, wow! Est-ce que tu as vu beaucoup de neige? Vive le vent. Est-ce que tu as passé la neige en anglais? Snow. Tu as vu beaucoup de neige? Est-ce que tu as fait du ski dans les Alpes? Non. De la planche à neige? Oh, est-ce que tu as vu les Alpes? Est-ce que tu as marché dans les Alpes? Hey Lola, tu as visité les Alpes? Oh, Lola est d'Espagne. Elle est née en Espagne, à Marbella, n'est-ce pas? Et tu as visité les Alpes? Et est-ce que tu as fait du ski? Ok, Lola. Ici en Oregon, il y a beaucoup de planches à neige. Est-ce qu'il y a beaucoup de planches à neige dans les Alpes? Yeah, it's like the same. Ok, la planche à neige est populaire ici et aussi dans les Alpes. Ok, je ne savais pas. Est-ce que tu fais du ski? Est-ce que tu fais de la planche à neige? Est-ce que tu fais de la planche à neige? Et classe, planche à neige en anglais. Snowboard. Oscar ne fait pas de la planche à neige. Oh my God. Lola. Oscar does. Oscar, tu fais de la planche à neige et le ski? Le ski et la planche à neige. Oh, juste la planche à neige. Oscar faisait du ski. Yeah, because I... Okay, Oscar faisait. Yeah. Okay, dans le passé, tu faisais du ski. Yeah. Tu fais de la planche à neige. Ok. Lola, tu fais du ski et de la planche à neige ou juste le ski? Juste le ski. Ok. Hey class, qui fait du ski? Merci. Oh, Henri, tu fais du ski? Tu fais du ski et de la planche à neige ou juste le ski? Et est-ce que tu as visité les Alpes? Non. Oh, Lola, regarde Henry. Henry fait du ski. Et il n'a pas visité les Alpes. Est-ce que tu penses que...
que Henri, Henry, I just want to call you Henri. I don't know why. Well, it's French class. Est-ce que tu penses que Henry doit visiter les Alpes? Yeah, what I ask her? Should Henry visit the Alps? Do you think he should? Yeah. Class, dites à Henry, visite les Alpes. Un, deux, trois. Henry, visite les Alpes. Turns out so many near you, would you like to visit the Alps? What do you like? I love her. Nah, did you see that? I haven't seen it. Five, four, three, two, one, zero. Oh, Madame Goes out of the last day. Just turn that off, okay. Thank you, dear.